Ben, je lui souhaite beaucoup de bonheur et que Dieu soit au centre de son foyer. Surtout que leur vie soit prospère. I'm going to go.
I want to know what I'm saying.
Thank you.
Merci, merci encore. Quand vous êtes venu, Famille, bonjour. La famille Locamboville, bonjour. Nous nous excusons pour ce retard. Dans la tradition bantou, il est coutume que lorsque des étrangers arrivent, que l'on pose trois questions fondamentales. Qui sont ces gens-là qui nous envahissent le village? D'où viennent-ils? Et que sont-ils venus faire? La famille que vous avez ici vient du Grand Nord, de Bitam, à 59 km après Oyem, et à 15 de Bitam se trouve le village Nkolvesa, du clan Essen. C'est donc la famille de Mbala, d'Opemba, qui est ici. C'est également parce qu'un enfant ne naît pas que de l'homme. Ce sont les Efat de Motumou qui sont là. Ce sont les Essatoub d'Aouwa. Sans tirer en larmes, la première des choses que nous faisons, c'est de demander le droit du sol. Parce que quand un étranger arrive, il a peur, il tremble. Que fera-t-on de moi? Donc, pour faire comme cela se fait à Okangouville, nous demandons le droit du sol, le droit de la peau. Si nos coutumes diffèrent par le fond, mais dans la forme, c'est la même chose. Nous demandons donc humblement et respectueusement le droit de la peau en déposant ici un bagne, une bouteille d'eau de vie et ce pourquoi Jésus a été trahi, c'est-à-dire modestement le plus grand bien que nous avons en République gabonaise. Nous demandons donc la peau pour pouvoir continuer. Nous demandons donc humblement et modestement que nous puissions nous exprimer en français.
c'est notre langue nationale. Et ainsi, ça va sera mieux entre nous les Kémandeurs et vous, notre belle famille. Nous demandons donc que nous puissions nous exprimer en français. On va essayer de bricoler parce que vous le savez, quand on passe la langue vernaculaire à la langue dite officielle, il y a une déperdition. Une bouteille et encore modernement, le plus grand bien que nous avons en République gabonaise. On va commencer par ceci. Tu es arrivé, tu m'entends parler dans une langue que tu ne comprends pas, tu développes ta langue à toi et puis tu penses que moi je vais te comprendre. Tu commences par au moins établir le contact. C'est ceci. Je l'accepte. Maintenant que tu me forces à parler dans cette langue, tu vas m'aider aussi à corriger mes écueils. Parce que comme ce n'est pas la mienne, toutes les fois que je tombe, c'est toi qui m'as poussé. Tu payes. Toutes les fois que tu tombes aussi, c'est toi qui nous as initiés dedans. Tu payes. Merci. Ceci, je le dis après, les gens vont penser que c'est un rituel anodin. Le droit de cour permet aux propriétaires du village de parler à leurs mânes, à leurs esprits, pour dire qu'on a les étrangers. Qu'ils passent leur séjour correctement, qu'ils font ce qu'ils ont à faire après, ils repartent en paix. C'est pourquoi on demande ça pour parler aux ancêtres. Pour ceci, votre cour est là. Après, ce que vous avez à faire, c'est vous qui savez vos limites et votre grandeur. Merci encore. Bien. Vous êtes ici, comme vous avez dit, je vous ai entendu dire au Kangoville. Il faut resituer les choses. Il faut mettre le canevas qu'il faut pour qu'on se comprenne. Au Kangoville, c'est dans le Haut-Ogooué. Le Haut-Ogooué, capitale Massoukou. Notre département, c'est les Kabiléolo. Et dans les Kabiléolo, il y a un regroupement qu'on appelle au Kangoville. Dans au Kangoville, il y a Impoussa, mon village. Et dans Impoussa, il y a Ndjere, mon clan. Et dans Ndjere, il y a mon corps de garde, Olemo Dunga. Voilà d'où je viens. Aussi, je conçois que dès votre arrivée, vous avez eu une ambiance qui se rapprochait à la vôtre. Et il y en a sûrement qui se posent la question de savoir, si on est au Kangoville, pourquoi on a un folklore du Nord. Mais ce n'est pas anodin. Nous sommes maintenant dans le melting pot et dans le brassage. Et bien c'est que justement, mes amis à moi, mes femmes à moi sont du Nord, de Mindik, de Locarno, donc et ça. C'est pourquoi, eh bien, l'accueil chez nous, quand on veut mettre l'ambiance, c'est aux femmes de s'amuser et de danser. C'est pourquoi vous les avez vus devant chez nous. Maintenant que vous êtes au corps de garde, moi en tant que propriétaire du corps de garde, je vous reçois. Et solennellement, au nom des miens, avant, avec votre permission, Monsieur Marc, avec ta permission, cher ami, je souhaiterais que tous ensemble, on se lève pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux qui devaient être là, pour la mémoire de tous ceux qui nous sont chers. Je souhaiterais comme ça une minute de silence. Merci. Bien, ceci étant la combinaison des villages que vous avez en face de vous. Désormais, vous savez où vous êtes et quels sont les composants. Dites-nous ce qui vous amène. Si
Si on peut le soulager, on va le faire. Dans tous les cas, en tant que chef de corps de garde, je me suis apprêté. Si c'est pour la guerre, je suis sûr que je vais trouver la solution. Si c'est pour la paix, vous aussi, je vais vous trouver une solution. Dans tous les cas, je suis moi et les miens tout de suite. C'est celui qui vient qui a le message. Nous, on attend. Merci encore. Ah oui, oui, c'est-à-dire mon ami, que toi et moi, nous soyons des amis, que nous bâtissions un pont. Les essons d'Encolmasas qui viennent ici, avec eux les EFAC, les Essatouk, encore des EFAC du côté de mon oncle, vous disent du fond du cœur merci. Il n'y a pas un mot plus doux. Il n'y a pas un autre mot plus fort pour témoigner de la gratitude. Nous sommes partis de Colmessas, arrivés là-bas au Cambouville. Le trajet a été long. Nous avions peur. Cette peur-là commence à être timorée, commence à s'aménuiser. Parce que quand on vous accueille, avec déjà du sourire, vous vous dites « Ah Dieu merci, je crois que nous allons avancer ». Nous sommes arrivés avec beaucoup de retard, nous le reconnaissons, mais nous venons de loin de Colmessas, chez Mbalamvum là-bas. Nous ne pouvons donc pas commencer à parler sans nous acquitter de ce rituel-là. Nous sommes arrivés en retard. Vous nous avez attendus. Pour ce retard-là, vous étiez au corps de garde. Les femmes ont attendu sous le soleil. Voici donc 30 000 francs. Après ce retard, nous disons, nous commençons à sourire. Nous n'avons pas encore commencé à rire. Nous commençons à sourire parce que vous nous avez déjà tendu les bras. Vous nous avez dit bonjour. Cela nous va droit au cœur. Qui sont ces gens-là? Vous le savez, vous êtes au Kango, nous venons de Colmessas Habitat. Que venons-nous faire ici? Il est dit dans nos coutumes, que lorsque tu fais un garçon, attends-toi un jour à ce que ce garçon-là ne t'amène pas des problèmes, mais une palabre qui doit t'amener à fonder une famille pour ton fils. Notre fils, Chrislin Ondop, c'est de lui qu'il s'agit. Parce que pour nous, même quand une veuve envoie de la nourriture au corps de garde, elle sait qu'il y a là-bas le frère de son mari. Même s'ils ne vont pas coucher ensemble, c'est lui qui défriche la plantation. C'est donc Chrislin Ondomba qui nous amène ici. Il nous amène ici pourquoi? Parce que les mariages d'aujourd'hui ne sont plus que où c'était les papas qui concoctaient tout. Si le silure est gluant, il va sans dire que l'escargot ne fera que suivre ce silure gluant. Il s'est amouraché de votre fille, Okomo Kili, Eurydice. Nous sommes là donc, pas pour faire des présentations, nous sommes venus demander la main. Et si vous l'acceptez bien, nous pourrons vous dire de quoi se compose notre modeste bagage. Encore une fois, merci. Il est arrivé, tu es arrivé mon frère. Je vais t'expliquer. Dans chaque village, dans chaque contrée, il y a des règles. Si tu me fais courir à ton rythme, si je m'essouffle, tu le portes. Ici, je comprends, mais tu poses ton acte, tu me laisses l'apprécier. Et après seulement, je te demande si tu as autre chose à faire. Si tu m'amènes comme tu m'amènes là, tu as déjà tout fini. Bon, ok, tu sais où tu vas, tu sais où tu es arrivé et tout, où tu vas. Termine, et puis demain, on va voir. Parce qu'en réalité, là, tu es devant moi, c'est maintenant moi qui te suis. Non, Ami. Bon. La main qui demande est toujours en main, Ami. C'est bien. Je vais marcher à ton rythme. Bon. Tu vois, jusque-là, attrape. C'est ton chapelet. Chez nous, on dit, la corde du mouton, c'est l'homme qui attache. Mais la corde de l'homme lui-même qui le pend, c'est lui-même qui attache. Mon frère, je pensais que, tu vois, depuis là, je ne parle pas parce que je me demandais, mais les gens là, ils viennent ici faire quoi nombreux?
Si c'est pour ton fils là, je le connais. Il a l'habitude de venir ici. Je le vois se balader avec mes enfants. Je le connais. Ce qui m'étonne, c'est le fait qu'il ait amené tout ce monde-là. Tu dis, tu viens pour le mariage. Les fourmis sur le corps, c'est une à une qu'on enlève. J'ai entendu ça. Ton fils a dit à ma fille, dis aux gens-là, de tout arrêter, tout affaire cessante. Je viens avec les miens. Attendez-moi, n'allez pas au champ. N'allez pas, ceux qui vont les bricoles, n'allez pas, attendez-moi, mon frère. Et c'est lui-même qui m'a proposé l'heure. Ah, les gens ont la tension, ils ont le diabète, et je sais qu'il faut qu'ils mangent, mais à 11h, j'aurai fini avec mon message, ils seront partis. Attends, les gens que tu vois là sont ici depuis 11h. C'est à l'heure là que tu viens, et puis c'est toi. Feuille de goyavier que tu agites comme ça, et puis tu dis que je vais nourrir à la fois les gens de Bangoville et les pauvres gens que j'ai ramenés, tous les thèmes là-bas. Dans les, c'est même, on n'avait pas eu droit au VX que vous amenez ce mois-là. Nous, on a eu droit au canter, j'ai loué ça juste au mondial. Donc les gens la souffrent. Regarde, hein. Si ce n'était que moi, tu m'amènes à moi 50 000, je prends. Mais comme je ne suis pas seul, il y a mon ami ici, celui qui m'a fait confiance là, lui, ils m'ont soufflé à l'oreille que laisse ça. Dis à ton type là, s'il veut, il n'a qu'à d'abord me donner 150 000. Donc, si tu fais l'addition, moi-même je te fais encore une réduction, j'enlève 50 sur ces 150 000 à lui. Sinon, j'allais te dire 200 puisque moi je veux 50. Mais comme tu as déjà dit à lui, lui aussi, je dis, oui, d'accord, je vais t'aider à régler tes palabres. Dépose 150 000. Juste devant le monsieur qui a les lunettes là. Ce n'est pas tout le monde. Je dis, dépose devant le monsieur qui a les lunettes. 150 000. Après seulement, je te promets, ton palabre est réglé. Merci, si vous m'avez compris. Amoui, la famille. Ce que tu dis est vrai, Amoui. Quand on veut bâtir une alliance, on doit être à l'heure, on doit être ponctuel, on doit être assidu. Amoui. Tu as fait venir des gens de midi. Mais il y a quelqu'un qui disait quand on parlait conjoncture, c'est quoi l'affaire là dès qu'on veut parler conjoncture, Amoui. La même maladie qui t'attrape, Amoui, m'attrape aussi. La famille est venue de Bitam là-bas dans les différents villages. Là-bas, il paraît qu'on ne fait pas encore le test COVID. Il faut directement aller à la carte de vaccination, Amoui. Souffrir, les maternels, les grands-pères, mettre les gens dans la voiture, Amoui. Et il y a une maladie dans notre pays, là. Même quand la voiture est en règle, avec ceux qui sont dedans, les gens disent comme vous ne connaissez pas ça. Nous qui sommes au sud Cameroun, là, est-ce que c'est l'argent que je mange, Amoui? Quand tu dis « je dois exécuter », que j'ai raison ou que j'ai tort, j'aurai toujours tort, je reconnais, Amoui. Mais regarde mes modestes efforts, Amoui. Regarde mes modestes efforts. Les gens disent aussi au marché là-bas, « ah, j'ai dit 300 000 ». Est-ce que c'est la pharmacie, Amoui? Pardonne-nous. On va arranger. Ma main sera toujours en bas. Amoui, la main. Tu m'as demandé de faire un geste. Un geste conséquent. Je m'en vais, Amoui. Les catholiques disent que regarde-moi comme je suis, Amoui. Non, maintenant, non, prends-moi tel que je suis, Amoui. Nous, la ponctualité, c'est pas notre affaire. Donc, Amoui, modestement, les essences de Goldman Sachs déposent ici 100 000 francs pour le retard, Amoui. Accepte-nous tel que nous sommes. Non, bien, bien, non. Amoui. Bien, Benoît, c'est pas le manque de respect. Amoui. Nous, la ponctualité, c'est pas notre affaire. Amoui, c'est là que chez vous, on dit Zale. Allez là. Antofena. Ziam. C'est à ce niveau-là que vous racontez tout ça, là, juste pour dire là, il me fait quoi, là? Mon frère, ce que tu ne peux pas faire.
avec tes forces, tu le fais avec ta poche. Je pense que si je te mets cette colle, toi et moi, on sait. Une amitié entre deux chasseurs, si tu les vois dire, l'ami, demain on repart, ça veut dire que le premier partage a été équitable. Sinon, il y a un qui va couler. Jusque-là, je te promets, tu as dit que ce n'est pas les mariages d'avant où on pouvait concocter les choses. Chez nous, on dit ça. L'oiseau ne se pose pas sur un arbre. Quand on mange de pose, toi, il va se poser. Sinon, ma fille est docteur. La fille que tu cherches là, j'ai payé tous ses études. Elle est médecin. Et moi-même que tu vois là, au-delà de mon vieil accoutrement, je fais partie des premiers ingénieurs sortis de Polytechnique et à Boussoukro. Donc, j'ai des amis tout de suite. Les couillons là n'ont même pas pu attraper les femmes. Si je dis petit frère, prends la femme, même tout de suite là où tu es là, il va venir me donner. Je ne mendie pas un mari pour ma fille. Tu ne peux pas me faire souffrir. Moi, mon problème, c'est le respect. Tu dis la main qui se met en bas, qui demande se met en bas. Sauf que tu me taloches. Ça fait trop longtemps. Juste pour que tu réalises que je sais réagir. Viens compléter, s'il te plaît. Viens parler. Ah oui. Quand quelqu'un parle la brousse, quand quelqu'un part du village et qu'il dise à sa femme aussi, quand je suis futile, ma femme reste à laver la marmite. Il va en brousse, il se débat et se débat à nuit. Même les curés, ils se disent, ah, il vaut mieux quand même que j'ai laissé la bouche au village, comme on dit. Il faut quand même rapporter quelque chose. Non, à nuit, mon ami, mon futur. Bougoy, tu as dit, nous sommes là pour exécuter. Nous allons avoir les genoux écorchés, les mains balafrées à nuit. Si on avance, tu as dit que tu as raison, que j'ai tort, j'ai tort. Que j'ai raison, j'ai toujours tort. C'est là le principe basique. Nous l'acceptons. Nous venons donc compléter. Ah oui. 50 000 francs. Cela fait donc l'amende à payer pour que nous puissions avancer. Encore une fois, merci. Il n'y a pas de nœud chez moi. Tous les nœuds que tu vas défaire, c'est toi-même qui les as attachés. Moi, je n'attache rien parce que j'ai un cœur pur et libre. Les nœuds qui sont ici, ce sont les nœuds que toi-même tu attaches qui te rattrapent. Donc, tout ce que je vais égrener, sauf ce que tu n'as pas fait, je ne sais pas accuser les autres. Mais si tu me vois crier sur quelque chose, c'est que tu m'as appuyé quelque part. Bien. Maintenant que... Ah oui, là-bas ça va. Si ça va, c'est bon. Je t'ai dit que chez moi, c'est un corps de garde où les bouts des paquets ne regardent que celui qui a mis le paquet au feu. Donc, quand je te dis donne, si je prends, je me retourne, je donne au propriétaire. Sinon, si c'est moi-même, tu vas régler mes comptes d'ici là. Le prochain palabre qui t'amène, c'est que, regarde, t'as vu comment ils sont habillés? Ils sont beaux, n'est-ce pas? Regarde chez toi, vous êtes tous beaux, n'est-ce pas? Ton fils, c'est lui qui m'a dit, va contracter même une dette chez le tailleur. Non, va chez le tailleur, tu ne peux pas être comme ça, tu es quand même mon beau-père, je viens avec mes parents. C'est quand même moi, j'ai dit oui, c'est quand même toi mon fils. Toi tu es béguiste, moi je suis ici. Donc il me dit non, de là-bas je n'ai pas le temps parce qu'il y a les frères. Dès que j'arrive, je règle. Ma tenue là que vous avez fait comme pour vous là est restée chez le tailleur, 25 000, juste pour ma tenue là-dedans. Je mets, dès qu'on finit ici, je pars là, je veux aussi perdre le beurre et l'argent du beurre. Donc après la cérémonie là, comme je suis comme ça là, je vais aller chercher, pour moi aussi je vais mettre un coup avec vous. Vous avez ça réglé. Si tu m'as compris, c'est bon. Je suis. Moi, dans mon corps de garde, quand tu fais quelque chose, quand tu as fini, on dit Yengele. Dites Yengele. Toutes les fois que je fais, quand j'ai fini, je dis on dit Yengele. Vous dites Yengele. Voilà. Moi aussi, quand je viens vers vous, quand je dis dites Yengele, comme maintenant, vous dites Yengele. Chez les hommes, d'abord, c'est comme si on disait passé. C'est la même chose. C'est pour accepter, accepter.
chose. Et puis comme on est ici pour la fête, il ne faut pas voir les vilains visages. Tu as ta mission, j'ai ma mission. Tu remplis la mienne, je remplis la tienne. Si tu veux, en même temps que soit chez toi, la femme aussi soit chez toi, ça ne marche pas comme ça chez les Bantous. Donc quand je te demande, tu me donnes, je mange. Mais, amen ici. Amen. Il est souvent difficile lorsqu'on vient commander d'avoir affaire à un griot, à un habile orateur. Amen. On va essayer de suivre la cadence. C'est toi qui conduis, c'est toi qui dirige la barque. Amen. Dès que tu dis, nous sommes là pour exécuter. Nous ne sommes donc que des exécutants de modestes. Amen. C'est vrai, tu as parlé. Moi, je ne vais pas aller demander à mon petit frère qu'est-ce que tu as dit ou tu n'as pas dit. Parce que dès que le beau-père parle, on exécute. Amen. Donc, pour avancer, tu n'as pas pu avoir ta tenue. Donc, ici, tu as tes 5 000 francs pour prendre rapidement une pause et 25 000 francs pour aller prendre ce qu'on appelle en fanlon, c'est-à-dire la tenue, ce qui fait qu'on reconnaisse l'équipe d'Okangoville. Amen. Continuons, mon ami. Tu nous as dit d'avoir le sourire, mais quand je regarde là, on dirait maintenant qu'il y aura la tornade. Amen. Souris aussi. Allô, rassure-toi. Je vois que tu es très habile dans cet exercice. Mais rappelle-toi que l'art de parler, c'est comme le riz. Allez-le-s, il faut partager. Hein? Il faut savoir partager. Donc, quand je fais un peu, tu fais aussi. Hein? On le garde, c'est comme le ballon, on ne le garde pas seul, on partage. Tu joues, tu joues, tu donnes à l'autre. Donc, je dis, oui, je voulais juste déjà, depuis là-bas, tout ce que tu as vu faire là, c'est pour nous rassurer. Effectivement. Toi et les tiens, vous tenez vraiment à celle que vous venez chercher. C'est pas nouveau, c'est nos ancêtres qui ont laissé ça comme ça. Et on essaie d'harmoniser pour faire avancer. Aussi, je te rassure que je t'ai écouté. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est me redire ce que tu as dit quand je ne comprenais pas ta langue là. Tu es venu ici faire quoi et pour qui? Pour aller un peu vite là. Si c'est mon nom, je sais, depuis le matin là, tu ne fais que me shooter comme un caillou. Mais si tu prononces le nom de quelqu'un, un nom, chez nous les Bantous, ça s'habille. Si tu viens seulement faire un gano pour dire non, chez nous là, on ne mange pas la parole. Tu parles, tu poses. Tu parles, tu poses. Et puis on avance. Dis-tu Yengele ? Dis-moi Yengele ! Voilà, merci. Nous avons commis une erreur en venant. Commencer à parler en français à lui. Celui qui ne s'est jamais trompé sur terre, je ne sais pas s'il y en a un ou une personne. Nous nous sommes trompés à lui. Nous nous sommes donc trompés. Il nous a demandé de recommencer et de dire ce pourquoi nous sommes là à lui. Tous ces gens que vous voyez là, toute cette famille, parce qu'il s'agit d'une seule et même famille. Ces essaims qui viennent de Colmensas avec leurs beaux-parents et Fak de Modumu, les grands-pères de Tougaoua là-bas, d'autres grands-pères d'anciens Meleun, nous venons là accompagner mon petit frère, notre fils, Ghislain Ondomba, qui a rencontré au hasard de ses pérégrinations là-bas une jeune fille. Et après, il s'est dit non. Enfin, on dit, quand des enfants vont en brousse, ils tuent un serpent. Ou un boa, ils l'amènent, ils l'appellent, nous avons tué la corde, nous avons tué le serpent. Mais quand ils arrivent, les grands-parents, les pères, les appellent au corps de garde pour dire, non, 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 amenez ça ici. Les enfants disent, nous, on a tué notre corde. Les parents disent, non, amenez ça ici. Amen. Dès que la corde là arrive au corps de garde, la corde change de nom. On n'appelle plus la corde ou le boa. Ça devient ce qu'on appelle en fantôme, c'est-à-dire la nourriture réservée aux adultes, hommes, à ceux-là qui ont franchi plus de 60 ans.
Donc, maison, Ndoukou et Pierre, ici, et son petit frère, Mbao Bono Gilbert et son épouse, ma mère, nous venons ici. L'accord doit changer de nom. Ça ne doit plus se passer uniquement entre Ghislain et Eurydice. Vous avez une jolie fille. Ça, c'est la beauté, l'esthétique. Mais de par son comportement, de par son organisation comportementale, la famille de Mbala et aujourd'hui, nous sommes venus pour demander la main d'Eurydice. Et comme je ne peux pas me permettre de prononcer déjà le nom de mon futur Mougoï. Toi-même, tu sais qu'il y a Eurydice dans la famille. Elle est médecin. Quand la nourriture va au corps de garde, elle va parce que le plat doit tomber entre les pieds de quelqu'un. Nous sommes donc venus demander sa main. Et pour le faire, nous demandons, avant de continuer, à ce que nous déposions ici un wax, une bouteille de Ballantine, et 10 000 francs. Nous sommes venus ici pour demander la main d'Eurydice. Et si vous l'avez, c'est seulement en ce moment-là que nous pourrons vous dire comment nous nous sommes organisés et ce avec quoi nous sommes venus. Nous vous prions donc d'accéder à notre modeste demande. Je t'ai dit que dans mon village, il y a des côtes. Et je vais te les donner pour que tu avances correctement. On n'a pas à tergiverser chez nous. On dit quand tu plonges dans l'eau, tu ne caches pas la nudité au poisson. Donc, je t'ai dit, si tu dois prononcer le nom, mon oncle que tu vois là, c'était un bel homme avant. La vieillesse, à tout prix, sinon c'était un bel homme. Il y a de beaux restes. Bon, j'étais avec lui derrière. Il a mis les risques que tu dis là. Il y a au moins trois femmes qui ont le même, qui ont les enfants qui ont le même nom pour que quand ils dorment, ils ne se trompent pas. Peu importe la maison, quand ils disent Eurydice, celle qui est là, c'est que c'est son nom. Elle répond. Donc, je dois avoir au moins trois enfants qui s'appellent Eurydice. Ce que tu as fait là, ne t'inquiète pas, j'accepte ton geste. Il te donne le droit de prononcer le nom que tu veux prononcer correctement. Il faut pouvoir payer des frais pour avoir l'autorisation à vie que d'avoir peur de tomber, ça, j'accepte. Maintenant, donne-moi le nom entier pour que moi aussi je ne me trompe pas de la personne pour qui tu viens. Merci. Merci, Ami, de le permettre au clan Essan ici. Ville, nous avançons sûrement mais doucement. Nous disons donc merci. Si nous sommes ici, vous avez beaucoup de filles qui ont ce prénom-là. Et cela ne sied pas qu'à vous. Chez nous là-bas, chez moi, je suis le neveu des Essans. Chez nous là-bas, les Essans, ben, nos papas curieusement avaient aimé un prénom. Vincent. Demandons-moi à Essans, ben, Vincent. Et puis à un moment, on a dû ajouter des diminutifs. Vincent de Paul et Vincent Mondom et Vincent Mouazab. Donc, si vous avez beaucoup de Eurydice, ça ne nous étonne pas. Maintenant, pour faire la différence, nous allons, avec votre permission, dire son nom. Parce que ça, c'est Eurydice, tout le monde appelle. Mais elle a son nom de famille. Il paraît que Oka, un de mes beaux-frères là-bas, Mbapierre, avait une tendre épouse. C'était la deuxième. Il a tellement aimé qu'il l'appelait même plus Okomo. Il appelait seulement Oka. Quand nous venons ici, nous venons ici pour Okomo. Okomo, la fille d'Okili, et mon Okili. Eurydice, Alida, le médecin, c'est elle qui nous amène ici à Mui. Mon fils m'a dit, si vous n'allez pas me doter, Oka, Okomo, Okili. Eurydice, Alida, je vais mourir, je vais aussi faire autre chose. Mais quelle autre chose fait-on après la mort à Mui? Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà, c'est bien, on avance. Maintenant, la vraie question. Je te dis que si tu m'attrapes bien et tu me nourris bien, on avance.
Et comme ça va bien, on va avancer. Quand tu regardes là, ton iris ou comme tu dis au cas, est là. Si elle est là, tu me dis elle est là et puis je te la dépose là, tu règles vos problèmes. Si elle n'est pas là, c'est que ton fils l'a envoyé acheter les pizzas. Allez chercher, vous revenez ici et puis on va régler. Ce que tu dis est vrai. Ça coule comme de l'eau. C'est clair. Mais même si je n'ai pas mes lunettes, quand je regarde là, il y a beaucoup de redises. Mais eux redisent que nous voulons qu'elle soit la nôtre. Eurydice n'est pas là, Amoui. Nous déposons donc modestement. Eurydice n'est pas là. Qu'on aille chercher Eurydice. Nous voulons voir Eurydice parce que tout ce qui se fait de bien et de beau se fait dans la journée, Amoui. Les choses de la nuit ne sont pas bonnes. Nous voulons voir Eurydice qui brille comme la lune. Nous apporter de la lumière comme ce soleil-là. Tu fais là-bas, elles doivent être bonnes pour moi, hein, oui. Ne me donne pas la peur au ventre, comme on dit au Cameroun, là-bas, ou bien la peur au cœur. Amoui, okay, appelez encore l'enfant, Amoui. Toi et moi, on traite. Je t'ai dit que quand le serpent arrive de la brousse là-bas et que ça arrive au village, il est mieux que ça change de nom, Amoui. C'est vrai que, et on va dire, j'appelle l'enfant, mais aujourd'hui, là, c'est maintenant une affaire de corps de garde, Amoui. Prends vite le taxi. Si je te demande, Amoui, je te paye combien? La poche risque d'être vide. Amoui, prends le taxi. Tu vas me chercher. Oka, Amoui, je t'en prie. Voilà. Je t'en prie, le serpent a changé de nom, Amoui. J'ai compris. Voilà. Je veux bien comprendre. Souvent, c'est difficile quand l'autre parle dans sa langue. Il me dit que quand le serpent sort de la forêt avec les enfants, c'est la viande des enfants dans la forêt. Quand ça arrive au corps de garde, c'est la viande des anciens. J'ai compris le message. Sauf que la nourriture des anciens a sa façon d'être abritée. Celle des enfants aussi, on la traîne dans la boue, on la traîne partout. À moins, je ne sais pas comment on attache un paquet chez moi avec une feuille. Si je me refuse, ça va brûler. Tu me mets au moins deux ou trois feuilles. Au moins, quand j'attrape bien. Mais une feuille, je n'ai jamais compris comment. Amoui. On parle de deux feuilles. C'est plutôt deux cordes. Amoui. Deux. Voilà. Merci, Amoui. C'est pas bon. Sinon, le paquet va souffrir. Ah, les gardiens du temple ont bougé. DJ, s'il y a un peu de musique. Amoui, on va attendre un peu, hein. Le temps que les gens là s'apprêtent. Donc, je vous disais que dans mon corps de garde, dans mon village, on célèbre d'abord le mariage. Après, on verse la dot. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, on va d'abord célébrer le mariage. Et puis après, je vous dirai, si j'ai accepté le mariage, je vous dirai maintenant verser la dot. Et c'est seulement après qu'on réglera le problème de la bénédiction. D'accord? D'accord. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit faites venir. Si vous m'avez compris, merci. Dites Yengele. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très très bien. Et c'est madame qui? Pour le moment c'est mademoiselle Okini. Oui. Et dans quelques instants sera madame Ndomba. Oui. Comment vous avez eu votre mariage jusqu'à le jour? Alors là, ça s'est très bien passé en tout cas. Ah. Nos familles ont été, voilà, il y a eu des réunions et tout s'est très bien passé, il y a eu l'harmonie. Parfois des petits couacs, mais Dieu merci, rien n'est surmontable. Et Dieu merci, on se retrouve aujourd'hui pour organiser le mariage. Et qu'est-ce que vous demandez à Dieu pour votre mariage? Ah, mais que ce soit un mariage de bonheur, un mariage fécond, on a encore plus d'enfants. On a un seul garçon, on aimerait encore plus d'enfants. Les filles, les garçons, voilà.
les familles soient toujours unies, qu'il y ait toujours de l'amour, que ça puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort ne sépare. Ok, très gentil. Bon. Tout le temps, il me dit que c'est un Victor moi et que Victor m'a le state. Donc, j'attends qu'il me prouve ça. Qu'il me montre que c'est vraiment le state, toi. Ok. Voilà. Bon, merci, monsieur. Voilà. T'allais comme le soleil de mes jours. Oh my god, oh. Aimé, tu Thank you.
Pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Alors, cher ami, et cette réplique que vous parliez tout à l'heure, nous commençons à voir clair. Est-ce que c'est elle ou pas? C'est elle. Est-ce que c'est elle? Oui. Ah, je vais faire le parti, donc je ne comprends pas comment elle est. C'est elle, c'est elle. Est-ce que c'est de celle-là qu'il s'agit? Oui. Bien. Ok. Si c'était moi qui l'aurais appelé, je vais passer le message. Je sais que je vais encore ébranler certaines consciences et certaines habitudes tordues. Cette jeune dame que vous avez fait venir fait partie de mes filles et elle est dans mon corps de garde, donc dans mon village. Elle est demoiselle. Vous m'avez dit que vous avez besoin de ma fille. Donc c'est vous qui appelle à la jeune dame qui est là. Deux choses à faire. Soit le message que vous avez à faire passer à ma fille, elle reste là. Et coup, juste, on va manger la pizza demain. Elle a compris, je la fais repartir parce que les femmes ne restent pas au corps de garde. Soit le message est long, auquel cas, vous allez venir féliciter ma fille pour la faire asseoir. D'abord, le premier billet pour dire merci et féliciter le courage qu'elle a eu de braver les yeux des autres pour entrer dans un corps de garde. Ah, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le deuxième paquet d'argent que vous avez là pour reverser maintenant pour la faire asseoir. Je ne peux pas faire asseoir chez moi, sinon je vais la raciner, vous ne pourrez même plus soulever. Je ferai asseoir quand vous aurez fini chez vous. Pour l'instant, c'est à vous de faire. Venez féliciter ma fille pour ce travail-là. À vous. Tu as raison, tu as raison. Mais ami, dans nos yeux, c'est coutume, dans nos traditions, dès que tu as parlé, ami, donne-nous une, deux minutes, parce que c'est la concertation. Les Blancs sont venus avec la démocratie, mais nous, on la connaissait déjà. Parce que quand il y a le mariage ou le retrait de deux, ami, on se retire. On se concerte. Chacun donne son point de vue. Et le modeste porte-parole que je suis, que tu es, nous venons seulement dire, nous nous sommes organisés, voilà ce que vous avez fait. Amen. Mais dès que tu as dit, j'exécute, ma fille est restée trop longtemps debout, c'est vrai. On commençait à se moquer de toi. Amen. Non, ça c'est d'abord l'amende. Maintenant ma fille, au cop, merci beaucoup. Comme on dit, tu as enlevé aux essences la honte au corps. Parce que là-bas, une fois dans, chez nous, là-bas, habitable, un neveu est venu nous voir, il m'a dit, oh tonton, allons épouser une femme. On a tout apprêté. Quand on est arrivé, on s'est arrêté au bosquet. Une de nos tantes est venue, elle nous a trouvé, elle nous a dit, mais les Essabets, vous êtes venus faire quoi? On a dit, on est venu pour épouser la donne. Elle nous a dit, vous ne voyez pas les branches de palmier là? Quelqu'un est venu faire le rap hier. Oh comme, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir daigné venir te présenter. Merci encore parce que tu as bravé tous ces yeux-là. Parce que chez nous au village, une femme ne vient pas au corps de garde. Donc merci déjà pour ça. Maintenant, je reviens. Oui. Mais fais tout pour que d'ici là, la joie change aussi un peu de camp. Fais asseoir au camp, au cas. Merci ami, fais-le asseoir. Fais-le asseoir. Les médecins, c'est comme les anciens, ils sont toujours debout, debout. Pour une fois, fais asseoir au corps. Ndomba est mon berger. Bisou Totia. Et I'm gonna go to
Démocratie. Et voilà. Ok, merci. Maintenant qu'elle est là, chez vous, là-bas, même chez le blanc, chez nous, on a vu même chez le blanc, c'est le mari qui attend la femme à la mairie. Vous me dites, sors ta fille, j'ai sorti ma fille. Jusque-là, je n'ai pas vu votre fils, mais vous m'avez poussé à sortir la mienne. Quand on voit comme ça, on fait comment? Parce que, il faut me dire si vous n'avez, si c'est moi qui suis en faute. Je crois que c'est moi qui aime plus votre fils que vous aimez ma fille. C'est pourquoi je me précipite à la sortie. Donc, pour la honte que je viens de subir, regardez les yeux de tout le monde. Ah ah, faut plus faire. Faut rester là. Dites, Yengle, dites fort. D'ailleurs, si vous ne dites plus Yengle, à chaque fois que je dis Yengle, si votre Yengle n'est pas fort, il me paye. Oui, dites Yengle. Vous avez eu. Thank you.
vérité. C'est bien. Dans tous les cas, quand tu es venu, je t'ai dit, paie le droit de cours. Tu as payé. Je t'ai dit, maintenant, glisser. Tu peux rouler. On ne m'enlève rien. Sauf que ta façon de glisser, là, il y a l'air qui a sauté. Bien, Baptiste. Moi, j'ai vu. Ça, c'est un. J'ai dit, glisse un peu. Tu as fait beaucoup. Les moutons qui étaient là n'ont même plus à manger tellement ça. Ça a glissé. Donc, répare seulement un peu. La deuxième chose, c'est que quand je te dis, tu dis tu n'as pas le cœur en paix. Et pourtant, c'est toi qui sautes plus que moi. Moi, quand tu es rentré ici, je ne vous ai pas vu en joie. Je n'ai vu personne en joie. Hein. Quand ma fille est rentrée, après, quand je disais de venir faire asseoir, je n'ai pas vu quelqu'un crier. Hey, yeah! Rien! Ça a commencé. Moi-même, je me suis levé. Elle a encore fait. Vous avez dansé, vous êtes chez vous. Vous avez déjà versé la dose grâce. Mais vous avez dansé pour vous alors. Bon, venez, paix. Venez, parce que elle a encore chez moi. Elle n'avait pas eu pour me fêter. Pour la fête que vous avez fêté déjà la première partie, venez me nourrir. Merci. Ah oui. Merci. Amen. On a arrêté le principe. Dès que tu dis, nous exécutons. Mais Ami, on sort de la canne là, au Cameroun. Ami. Les gens glissent et tout. Quand la pelouse est un peu enlevée là, Ami, tu me donnes encore l'amende. Maintenant, si on n'avait pas glissé, tu allais encore dire, la pelouse est là. On dirait que vous là, vous êtes fâchés. Mais on va faire comment? C'est là où les Gombelles disaient, n'a pas fâché, nous s'amuser, ami. Dès que tu dis, on s'exécute, ami. Mais comme tu dis là, notre fille, tu l'as encore. Tu sais que si on avait déjà commencé à monter la joie, tu allais dire, mais pourquoi vous donner encore plus? On paye seulement les amendes, ami. On va avancer. Voilà l'amende. Merci. Non, Amos vient d'arriver. Enfin, on chante, mais ton cœur va dans les lieux, c'est-à-dire que les yeux là, est-ce que ça voit ou ça ne voit pas? Celui qu'on a amené, qui nous amène ici, parce que nous on fait seulement ce qu'on appelle là-bas en politique, soutien, soutien, soutien. C'est lui, Odom Baptiste, premier fils de M. Baouvono Gilbert et de Mme Baouvono. Enfin, Amos. C'est un beau garçon bien noir. Enfin, on l'appelle la Tanda qui est mûre, c'est-à-dire ressources. On appelle encore le fruit du figuier. C'est lui-là, bien noir. Comme tu vois, lui, il n'a pas une couleur au visage, c'est-à-dire que... C'est nature. Ah oui, produit naturel de son père et de sa mère. Un garçon poli, bien élevé. Conscient qu'il est l'aîné de la famille. Donc, ami, voilà Giselin. Giselin, lève-toi parce que, en langue, on dit, quand ton père et ta femme ont des problèmes, ce n'est pas à toi de dire, oh, prends la dot. Prends la dot, mon frère, la femme là est mauvaise. Giselin, prends la cuillère. Nous sommes maintenant dans les symboles. Toi-même, devant Dieu et devant les hommes, devant tes deux géniteurs, devant les essences, devant les Efat, devant les Essatou, viens accomplir le geste symbolique. Nous, on ne fait que te soutenir. Et on te soutiendra toujours. Alors, quand notre fils ne passe au rituel, oui. Juste une chose. Oui, ami, parle. Et qui ose. Juste là, regarde comment elle est. Vous l'avez mis au piquet de nous.
son fiancé l'a mis au piquet, assise avec quelque chose devant le visage. Donc, appréciez la démarche du monsieur, monsieur Zedan. Appréciez la démarche, appréciez. Et du beau, et du beau. Il est mignon, il n'est pas mignon. Ah là là. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour papa Jusselin ce soir? Maintenant vous le voyez, vous avez trop entendu l'écho de mon grand frère. Maintenant vous le voyez, assez entendu. Maintenant vous le voyez. De la pharmacie, c'est ça ou c'est pas ça? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici présents pour la célébration de cet événement qui est notre mariage. Je vais commencer à dire à Eurydice, que si j'ai déployé toutes ces personnes que vous voyez ici derrière, c'est pour manifester l'amour que j'ai pour toi. On est dit, on est à deux ailes pour voler, mais moi j'ai un seul cœur pour t'aimer. Yes! On peut faire ça. Le papillon ouvre ses ailes. Le papillon a deux ailes. Mais moi j'ai un seul cœur aujourd'hui pour t'honorer. Alors, je ne vais pas être long, madame. Pour cette première étape, et qu'il y avait tout l'amour que j'ai pour toi, vraiment tout droit de Paris, parce que je ne suis pas en danger, j'ai apporté spécialement un billet de 50 euros. Applaudissez, monsieur, s'il vous plaît. Applaudissez pour le monsieur. Équipe! Équipe! C'est ça ou c'est pas ça? Appréciez la beauté, admirez la mignoncité, la beauté de la princesse de la marée. Poussons des cris de joie pour la mariée. Équipe! Équipe! Cette cuillère. Pour te présenter mon cœur. Pour te demander d'accepter cette cuillère pour tout le cœur que j'ai toujours ouvert pour toi. Oula, vous avez quel micro là? Vraiment? Oh. Achetez les pieds. Eurydice, je souhaiterais que tu sois non plus ma princesse, mais ma reine. Hey! Je souhaiterais que tu sois l'unique femme dont ton jeu convoité. Unique. Et je te promets que je ne changerai pas. C'est même mon souhait. Je te remercie. Et j'espère que tu as compris mon désir, celui qui est le mien. Thank you.
Et gagner du temps. Et aujourd'hui, Krishna est venu demander ma main. Krishna, c'est l'homme que j'aime. C'est avec lui que je veux faire ma vie. Krishna, je ne veux pas faire ma vie avec un autre homme que Krishna. Je l'aime de tout mon cœur. C'est un homme bon, un homme merveilleux. Il est tendre, il est doux. C'est le père de mon enfant. S'il te plaît, Ivan, mon grand frère, accepte cette demande en mariage. Accepte cette demande que Christian vient faire aux gens. Sollicitation, ton souhait, ton vœu, et je vais me rapprocher des autres frères qui sont ici avec moi, et ensemble on va regarder et on reviendra te donner une suite. Chère petite sœur Alida, en concertation avec les autres frères, il ressort que cela n'est pas totalement connu de tout le monde. Chrysler, du passage à Libreville, n'appelle pas ses beaux-frères. Chrysler ne nous invite jamais à manger. Chrysler ne nous invite jamais à boire. Chrysler ne nous appelle pas pour prendre de nos nouvelles. Comment tu veux qu'on t'envoie de part où on ne connaît pas. Sur ce, voici le mécontentement de tes frères. Merci. La chose aussi simplement que possible. Chez nous, c'est le frère qui donne sa soeur en mariage. Quand il prend la dot là, il va épouser sa femme avec. Donc, chez nous aussi, on dit que l'amitié avec le chasseur, c'est avant, pas quand il a tué la viande. Si Gislain ne s'est pas occupé de lui pendant qu'il avait sa sœur, c'est pas quand il va donner la sœur qu'il va partir, là où vous revenez si loin, qu'il va encore penser à le nourrir, c'est ce qu'il dit là. Donc, le type est là, s'il a parlé. Si vous avez compris, faites avancer votre dossier. Merci. Lydie. Nous avons entendu mieux, nous avons compris. Donnez-nous, nous demandons une minute pour nous concerter. Parce que quand il y a une barrière comme ça, nous devons nous battre pour enlever cette barrière-là et pouvoir avancer. Merci. Les gardiens du temple. Amen. Amen. La famille, nous disions tout à l'heure que nous avons entendu
les plaintes, les récriminations des beaux-frères. On dit enfin que quand quelqu'un te dit que ceci, tu le fais mal, c'est une personne qui t'aime parce qu'elle veut que tu modifies, que tu corriges le comportement. Nous avons compris. Ghislain doit le comprendre. Et mieux, quand on a tort, il ne suffit pas de dire « Seigneur, j'ai tort », il faut dire « Je vais m'amender, Seigneur ». Mais nous sollicitons votre indulgence. Ghislain n'est pas proche de ses beaux-frères. Or, ce sont ces beaux-frères-là, dans la coutume, qui constituent et représentent ses premiers avocats. Parce que demain, quand il y aura une petite incompatibilité d'humeur entre Ghislain et Ocom, Ghislain dira « Ah, je ne monte pas d'abord au beau-père. Je commence par le CP1, ce sont mes beaux-frères. » Et ce sont ces beaux-frères-là qui vont dire à leur tante sœur « Non, ne fais pas ça, Ghislain. Nous sollicitons votre indulgence. Mais nous ne pouvons pas solliciter ça à la bouche, comme on dit à Montboué là-bas. Nous sollicitons cette indulgence. Vraiment, le beau-frère, mon fils, voici 50 000 francs. Ghislain va s'amender. Tu es son frère. Vous devez faire du béton trempé à mon fils. On apprend tous les jours que Dieu fait. Et c'est en apprenant que l'on acquiert un peu de sagesse. Alida, ma petite sœur, j'ai réécouté à nouveau ton souhait. Je vais repartir me concerter avec les frères. C'est moi. Donc, c'est ma petite sœur. Et je tenais à vous montrer cette photo pour vous faire comprendre que le cœur que vous allez m'enlever, c'est compliqué. Parce que j'ai toujours été protecteur à l'IDA. C'est la même chose. Solution très importante.
si cette solution n'est pas donnée, cette photo et toi, je vous remets dans ma voiture et on repart à la maison. On passe sur un arbre, ça tombe toujours sur un homme. Et il y a toujours une solution. Il est allé d'abord régler le problème de ses frères. Il a économisé sa douleur. Parce que, comme il n'est pas seul dans l'affaire, mais lui, son problème est plus grave parce que son émotion est grande. Et c'est le vrai bouclier de sa soeur. Et oui, va consoler et on passe. La suite, dans les prochains épisodes, dans la vie de tous les jours, vous allez faire. Oui, je dis, et il s'est occupé de ses frères. On l'a donné mandat pour faire passer. Et puis lui, il vous a rappelé sa douleur à lui. On ne laisse pas l'autre sur la colline. On le laisse sur une planche plate. Allez l'enlever de la colline où il est, où il souffre. Puis on va faire passer. Nous essaierons de réagir autant que faire se peut. Mais quand on fait des choses comme ça, là, heureusement qu'on dit au corps d'âge qu'il ne faut pas écouter souvent quand on arrive dans le village ce que les enfants et les femmes disent. Parce que si tu écoutes ça, la hache va trancher le genou. Nous comprenons bien l'émotion et la douleur du frère. Nous comprenons. Parce que la photo qu'on nous a présentée ici, aussi symbolique qu'elle soit, elle révèle déjà toute l'affection, mais aussi toute l'intimité qu'il y a entre ma fille et son frère. C'est donc un cœur qui saigne. Mais nous ne sommes ici, ah oui, que dans la symbolique. Nous ne sommes que dans les symboles. Autant dans le mariage que dans les retraits de deuil, tout ce que nous faisons n'est que symbolique. Nous venons donc nous agenouiller et dire encore à notre frère, à mon fils, à mon fils. Quand on est né avec une sœur, on ne la valorise vraiment que lorsqu'elle va en mariage. Cela t'élève, mais cela relève aussi de l'éducation, de la très bonne éducation que papa et maman ont eu à vous donner. Fais grandir ta sœur vers dans d'autres prairies là-bas. Cela aussi te grandira, mon fils. Quand on est avec une sœur, elle grandit et on la valorise quand elle part en mariage. Cela va te faire un pont de plus. Ah oui, aujourd'hui on parle de diplomatie, mais la diplomatie chez nous, c'est quand ta sœur va en mariage quelque part. Ça fait un pont. Et s'il plaît à Dieu, tu auras des neveux là-bas. Et on sait chez nous les Bantous ce que c'est le neveu, ce que c'est la nièce. Accepte donc modestement ceci à mon fils. Donne de la valeur à ta sœur qu'elle aille s'accomplir chez les essaims de Colmessa. Ils n'ont pas le niveau. Ivan, mon repas. Cette photo que tu viens de montrer, effectivement, c'est un très beau souvenir. Nous avons grandi ensemble. Nous avons pratiquement fait les mêmes classes. Nous sommes très proches. J'ai pratiquement pas mangé. Ivan, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Isla, avec sa famille, vient ici demander un mariage. Il vient m'honorer. Aujourd'hui, si tu l'acceptes, je passe de jeune fille à dame. À épouse d'eux. S'il te plaît, mon frère, je comprends ta douleur. Mais s'il te plaît, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux le meilleur pour moi. Et Christian est le meilleur pour moi. S'il te plaît, mon frère, accepte ce mariage. Maman, je viens te voir aujourd'hui.
j'ai reçu les doléances de ma sœur Tafie. J'ai été meurtri, mais Christelin a sûrement compris et il a compris le message que je voulais lui donner. Mes frères et moi avons donc été satisfaits. Et nous venons aujourd'hui de faire le compte rendu. Voici vraiment la cuillère que notre sœur nous a tendue. Nous allons te la remettre à ton tour pour que tu puisses nous dire ce que tu es notre mère. Tu puisses nous dire et nous donner une suite à ton niveau. Nous, on a compris et Christelin nous a compris. Accepter de mettre sa sœur en mariage. Et maman également est consentante. Je n'ai pas d'autre mot à dire. Je ne peux qu'accepter. J'accepte. Ma fille a trouvé à Christelin le meilleur homme qui existe. Je leur souhaite de connaître le parfait amour et de vivre heureux. Bien. Mais j'ai fait cet enfant avec quelqu'un et je peux le remercier parce que sans lui, je ne l'aurais pas eu. Amen. Monsieur Bourguet, c'est de vous que je parle. Vous êtes tout le temps avec moi. Si, je n'aurais pas été. Merci. Amen. Et avec toi, tout ce qui t'accompagne. Voilà le témoin. Je remercie moi et merci. Au début, parce que je crois qu'il y a eu des non-dits et il va falloir apporter toutes ces précisions. Le médecin que vous êtes venu chercher s'appelle Okom Okili, pas Okomo, Okom. Je pense qu'il y en a parmi vous qui se posent cette question. Le père est du Haut-Ogoué, la mère est d'où, on vous l'a dit, de Sam. Mais, Okom dont on parle est présente ici. Je vais vous la présenter parce que ne sait-on jamais. Amayayan. Ça,
Okum qui est associé à Okili est là. Ça, c'est l'homonyme d'Alida. Okum. Ça, c'est l'original d'Okum. La copie est là. Alors, vous allez comprendre que l'auteur de cette famille également est là. Mon père. Nous sommes au total 28. 28. L'aîné de la famille, le patriarche, est là. Je vais vous le présenter également. Monsieur Bab, s'il vous plaît. Bien. Vous savez, quand un baobab tombe, c'est lourd de conséquences. Le fondateur de tout ça, je souhaite quand même qu'on l'ovationne. C'est Monsieur Joseph Ayon Evoum. Vous présentez. Alors, vous comprenez donc. Vous comprenez donc la raison qui fait que Madame Chrislin porte deux noms d'origine différente. Le père du Haut-Ogoué, la mère du Walentem, précisément de Mindik, du département de Locano, canton d'Oumanzou, district de Sam, S-A-M. Et moi qui vous parle, moi-même je suis Jean Abogué Odo. Je ne suis pas l'aîné de la famille, je suis parmi les derniers. Je ne me tiens pas devant vous parce que je suis le meilleur. Non. Je me tiens devant vous parce que mes grands frères ont estimé que je pouvais, en leur nom, parler d'ici. Je suis l'oncle d'Alida, le cadet de Zanayon, Sylvie, ma dépeinte grande sœur. Bien. Certains se posent aussi la question de savoir pourquoi ce mariage s'est fait dans la culture au Bamba. Il faut restituer les choses dans leur contexte. Monsieur Okili a fait cet enfant avec ma sœur. Monsieur Okili l'a élevé. Monsieur Okili l'a soigné. Monsieur Okili lui a donné, lui a inculqué tout ce que vous observez comme valeur. Nous avons donc jugé nécessaire et utile de lui faire cet honneur. C'est pour ça que vous avez remarqué que nous sommes restés derrière les Obama parce que à travers notre fille, nous devenons une seule famille. Nous devenons une seule famille. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau. Nous sommes à la fin de la cérémonie. Avant de prendre la décision finale, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de choses.
Monsieur Odomba, le père de Christian, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. On ne va pas les dévoiler ici. Je compte sur vous pour que cela soit respecté. Vous savez de quoi je parle. Mais je tiens quand même à préciser que celle que vous êtes venu chercher aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Si d'aventure, là je préfère le dire haut et fort, si d'aventure vous en faites une femme au foyer, je vais changer de couleur. Je changerai de couleur parce que vous êtes venu chercher un médecin. Je pense que ça fait plusieurs années d'études. En termes d'argent, ça fait un investissement lourd. Donc, Chrislin, on compte beaucoup sur toi. Beaucoup. On sait de quoi tu es capable. Et on sait que tu feras ce qu'il faut pour contenter Monsieur Okili et nous. Monsieur Okili, je ne sais pas si je dois t'appeler mon frère, mais je pense que je suis obligé de t'appeler mon frère. Je pense que tu es digne de recevoir cette dot. C'est vrai, j'ai porté cet enfant 9 mois, mais tu l'as éduqué, tu l'as envoyé à l'école, tu l'as soigné. Nous t'en sommes reconnaissants. C'est pour ça que je vais te retourner de cuillère en signe de reconnaissance pour tout ce travail. Bon, cette étape est terminée. Maintenant, on va parler en tant que parent. Mais comme il faut absolument qu'il y ait sa famille comprenne, on va continuer de parler en français. Chez nous les parents, après la dot, vous savez ce qui suit. Je ne sais pas si je ne vais pas le faire maintenant, ou alors on va attendre si Chrislin pose la dot aujourd'hui ou pas. C'est à vous de nous orienter, sinon on peut d'abord sursoir. On sursoit en attendant. Merci. On nous rassure quand même, s'il vous plaît, ça mérite des ovations. Après ce mot, est-ce que ça mérite des ovations, s'il vous plaît? C'est vraiment du tout cœur. Excusez l'émotion. Quand quelque chose vous fait bien, il faut le rendre. Je dis merci à ce monsieur pour sa bravoure. À la fin de notre parcours, je vous disais ici qu'en pays Obama, on fait d'abord le mariage. C'est ce que vous venez de faire. Tous les gens de mon village, y compris leurs alliés, viennent d'accepter l'union de votre fils avec leur fille. Ceci est dit, cette fille est désormais Madame Gisèle. Sauf que, comme disait mon bon frère, c'est une femme mariée, mais pas dotée. C'est à vous de voir, vous le faites. Voici un grand moment. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to
Ce soir, qui a déjà vu ni le corps de l'œil, le corps de l'élégance ou encore le visage de la beauté. Personne. Mais ce soir, je sais que l'élégance a un corps et la beauté un visage. Ce corps et ce visage, il est là parmi nous. Et moi, je m'en gomme, monsieur Oldo. C'est ça, c'est pas ça. Et mon volatile, on t'a manié.
Thank you.
D'accord. J'ai compris. Tu as toujours la parole. Je vais vous présenter ce que nous avons amené. Encore une fois, nous disons et nous répétons que tout ceci n'est que symbole. C'est la symbolique, autant dans les retraits de deuil que dans les mariages. Nous ne pouvions pas venir les bras ballants à nous. Il y a déjà eu d'autres cérémonies avant celle-ci. Nous avons fait les présentations. Nous étions là hier. Nous devons maintenant de continuer et si possible de terminer. Nous ne pouvions pas venir les bras ballants. Chez nous, les Toumou là-bas, lorsqu'on vient pour doter une femme, la dot, nous l'appelons, même si ça tente à changer, nous l'appelons un swarike. Dans la traduction littérale, la dot de fer. Parce qu'à un moment donné, chez nos arrière-arrière-grands-parents, le fer a été une denrée rare. Et les produits faits à partir de fer étaient la monnaie que l'on utilisait dans un échange. Nous sommes venus pour demander la main de votre fille. Il nous revient, et en cela, il y a aujourd'hui un brassage de nos populations au Gabon, d'apporter à manger, d'apporter à boire, d'apporter des objets en fer et notamment, comme l'a dit M. Abogué, d'apporter ce qui, chez vous, symbolise le mariage, c'est-à-dire l'enclume. Nous avons donc amené avec nous, nous avons ici Dieu, nous avons ici M. H, il y a deux livres, ensuite, en passant, deux pièces, trois pièces, quatre pièces, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix, onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là, trois foulards, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, le 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nous passons. Aux grandes marmites ici, mot de Vita. Ensuite, deux lampes. Il y a 2 bidons de pétrole. Il y a des mèches. Ensuite,
Allô? Allô? Oui, cette partie-là pour apaiser les cœurs, les premiers, les propriétaires de la ferme. Merci, si tu m'as compris. J'ai compris, ami. Ne sont pas bons. Donc, on m'a présenté l'original d'Ocom ici. Moi, je viens, je veux juste prendre la photocopie. Et je veux qu'elle dépasse l'original. Donc, je ne peux pas, ami, te donner ce qui avait fait que Jésus soit trahi. Il faut d'abord que je m'acquitte d'un devoir. L'adultère chez nous, on ne joue pas avec ça. Parce que si je commence par te présenter ce que mon oncle a amené pour le mariage de Ghislain, il y a un homme là-bas qui me regarde. Il vaut mieux que je m'agenouille d'abord devant lui. Ah oui, mon ami, je veux que toi et moi nous soyons amis. Ocom. Ocom Okili, c'est encore ta femme. Mais ami. Moi aussi je veux être comme toi. Donc, permets seulement à ce que je ne te dédommage pas parce que l'affaire du cœur là, on ne coupe pas ça comme ça. Ami. Permets-moi aussi de te prêter, de t'emprunter quelque chose. Donc, ami. Voilà l'adultère. Je paye et je te jure que je ne vais plus toucher à Ocom original. Laisse-moi seulement amener la photocopie. Ami. Voilà une bouteille, voilà la pièce pour vous, ami. L'original, c'est toi. Ami, laisse-moi seulement amener la photocopie. La photocopie, ils diront, oh, mais si la photocopie est comme ça, l'original là est comment? Ami, toi tu as l'or. Laisse-moi seulement amener ce qu'on appelle l'enfant. Mais puis mon gosse, ami, je paye l'adultère. Ok, d'accord. Et nous aussi, on a une mauvaise habitude habitable. Quand on va épouser, on n'épouse pas seulement Oyouen, la fille d'Okili. Mes frères là viennent de Sam, ils savent. Si je finis de dérouler comme ça, sans amener une bête, ils vont dire que les gens de Bitam, on sait quand vous faites avec vous-même. Amener souvent Baba Toukourou. Donc, oui, il y a un peu qui est attaché là. Toi-même, tu l'enlèveras et tu l'amèneras. Tu verras comment faire avec les gens de ça. Et tes neveux, parce que je suis sûr que tes neveux vont prendre la tête. Les femmes chantaient la mise, mon tocana les laisse. Tout ce qu'on a fait, dit là, c'est bien. Maintenant, on va à la fin. Les femmes disent mal. On a commencé à mi. Une personne, un être humain n'a pas de valeur, ami. Ce que nous faisons n'est que symbole, c'est de la symbolique. Tout ce que vous avez fait pour éduquer votre fille, pour l'élever, on sait aujourd'hui ce que sont les études, ami. Nous venons prendre, nous le reconnaissons avec fierté, un produit fini. Une 400 pattes bâchées. Pas neuf, mais neuf comme on dit au Cameroun, ami. Nous amenons donc, l'être humain n'a pas de valeur, c'est juste une symbolique. Ce qui nous avait fait abandonner nos villages là-bas, venir travailler, ami. Enfin, on appelle à Kourou. Donc je compte. 1 million, ami. 2 millions. 3 millions. Et ami, 4 millions. C'est le fruit des modestes économies de toute la famille. Autant les Essons, les Efak, les Essandones, mais plutôt les Essato, ami. Prenez-nous comme nous sommes. Et on dit enfant, il n'a mani qui vanne. Quand une femme est allée en mariage, quand il y a l'huile, le lait et le miel entre les son mari, nous continuerons à doter au corps toute la vie. Ami, ceci n'est que symbole, nous sommes venus jeter un pont. L'être humain n'a pas de valeur, l'être humain n'est pas une marchandise. Acceptez donc modestement cette dot. Juste comme ça, mon cœur est en paix. Depuis là, tu mets un pas, tu recules. Là, tu conviens, je n'attends pas qu'on se retrouve devant les gens pour qu'on se moque de toi. Je te dis, quand tu es en train de sortir de la maison, arrange le pantalon. Ah oui, ça fait je vois. Sauf que tu es venu. Tu as fait tes présentations. Mmh. Et puis tu es parti comme dit les Obama. Et puis moi je t'attendais. Et puis tu es parti. Tout le temps que tu es parti là, j'attendais. C'est que vous avez produit là-bas là.
Ah, maintenant, on va partager. Je suis assis. Le grand-père apporte tout l'amour, toute l'affection à l'enfant. L'enfant va toujours dire papy, oui, ce que les blancs appellent son épanouissement. Nous déposons donc ici pour cet enfant-là qui a été fait pour que vous nous permettiez que cet enfant-là vive entre la chaleur. Nous disons merci. Il est donc manifestement 100 000 francs. Et avec la maladie de l'enseignant, nous disons encore un petit temps. L'être humain n'a pas de valeur. Tout ce que nous faisons n'est que symbole. Avance ici, avance là. Pour ne pas qu'on te fatigue, moi, si tu as encore un peu à arranger là, tu arranges seulement un peu. Et puis comme, oui, on ne demande qu'à la personne qui te donne, et puis la personne qui t'aime. Tu fais bien, comme tu sais faire, tu arrondis les angles proprement. Et puis après, comme à mon niveau là, tu es mon ami, tu as déclaré, et tout le monde, je ne peux pas te tromper. Il n'y a que le propriétaire du dossier que je pourrais faire venir pour venir constater. Hein? Mais avant tout, si tu peux arrondir, c'est bien. Si tu penses que tu as atteint le niveau et le degré, tu me dis aussi Gamoui, voici moi. À partir de ce moment, je ne te fatigue plus. Je vais faire venir l'autre pour savoir si c'est comme vous êtes entendu. Parce qu'il y a ce que toi et moi on fait. Et puis, monsieur et madame nous ont promis. Oui, il y a eux qui nous ont promis. Donc c'est à toi, je me dis, toi et ton fils. Et puis après, la personne qui va nous juger. Merci. Ah oui. Quand tu arrives dans un village, il ne faut pas trop suivre ce que les femmes et les enfants racontent. Ah oui, le patriarche Ondokoué est là, avec son petit frère, Gilbert Mba. Ce sont eux qui ont réuni la famille. Je ne suis que porte-parole, porte-voix. Ah oui, voici le fruit de la sueur des essaims. Ah oui, j'ai sué. Ah oui, à l'impossible, nul n'est tenu. Ah oui. Fais venir notre fille. Je t'ai dit tantôt au nom des essaims que chez les Toumou, on donne la vie. Ah oui, tu vas pleurer, tu me verras. Tu auras des événements joyeux, tu me verras. Ah oui, toi et moi, c'est bon. Ce que vous cherchez là, chez moi, c'est la grosse dot. Ce que tu as amené là, c'est la petite dot. Tu prends le frère là, toi-même, tu le sors. Et puis tu viens le déposer pour que ça ne s'envole pas. Tu déposes ici, sur ces deux tables pour dire Amoui, voilà comment je suis fait les choses, tu déposes. D'accord? Ça fait au vide de. Et après, tu fouilles tes poches avec les autres là où tu dégraines le chapelet là. Tu prends. Tu colles le dessus. Voilà. Quand tu as fini avec le thème là, maintenant je fais venir la personne là, elle vient voir. Si tout le monde est d'accord avec moi, dis-je là-bas, Yengele. Merci. Amen. Amen. Voici l'enclume. L'objet essentiel, le socle. Mariage chez vous. Nous ne pouvions pas venir. Sans cette enclume. Nous déposons donc cette enclume ici. Quel est le lien entre vous et nous? Et nous déposons symboliquement une pièce dessus. Parce qu'avant de parler de millions, de 10 000,
On commence par Tissot, la pierre de 5 francs. C'est un symbole, ami. Allons à la clôture, ami. Fais venir ma pluie parce que... Thank you.
Voilà, c'est arrivé dans mes mains. Merci. Merci. Oui. Je vais dans le seul pli que je prends avec mes enfants. Mes enfants, merci. Quand je vous vois comme ça, je comprends aisément ce qui s'est passé. Ce jour-là, c'est la goutte d'eau qui a fait du bruit, qui a permis que vous soyez ensemble. Et je pense que c'est tout. A sceller votre union à jamais. À jamais. Mes enfants, je suis heureux pour vous. Et sincèrement, je vous aime. Hein? Tu es venu avec papa, tu m'as montré combien tu es aimable, gentil. J'avais une fille, aujourd'hui j'ai un garçon. Je sais que vous allez m'assister dans mes vieux jours. Alors, merci beaucoup, je vous bénis. Je vous bénis, aimez-vous. Et par moi, que Dieu vous accompagne. Oui. Merci. Tout est bien, il finit bien. Les enfants sont arrivés, la bénédiction a été constatée que j'ai retenu notre fils et je l'ai installé. Il ne faut pas vous étonner. C'est juste pour rappeler à mon oncle, même à son absence, ce monsieur qui vient de m'honorer et membre à part entière de notre corps de garde. Ce que vous voyez là, le fait de l'installer parmi le matriarche de Mpoussa, donc au Kangoville, monsieur Kambira Jacques et monsieur Okili, son beau-père, ceci est signe qu'il est accepté
et on l'a fait place dans notre corps de garde. C'est pourquoi nous l'avons installé. Aussi, ceci est ce qui scelle le mariage chez nous. Et beaucoup ont tendance à le faire chacun comme il veut, parce qu'on fait dans le copier-coller. L'enclume est un instrument aussi de bienfait que méchant. Vous l'avez emmené. Si quelqu'un vous a demandé le million, vous n'avez pas faroté avec le million. Il vous demande le million, c'est lui qui sait ce qu'il va faire avec son million. De la même manière, la personne qui vous demande l'enclume sait à quoi elle sert, ça sert dans son village. Je vais donc sceller, sinon asseoir le mariage de ma fille, parce qu'il n'y a que moi en tant que père, en tant qu'oncle pour le faire. Je dis ceci, ma fille, tu es chère de ma chair, tu es mon sang, tu es mon enfant. Si tu es de mon sang, aussi fort et sans enclume que ton mariage, ça durcisse et soit ferme et qu'il ne vacille pas. Voilà comment ceci se termine chez moi. Maintenant, le temps que, parce que j'ai accepté de présenter, le temps que je les débarrasse, vous allez sûrement me dire, me montrer le corps de garde et me montrer la cuisine dans laquelle on m'a dit qu'on n'a pas été ouverte et vous nous montrez le chemin, on vient vous la déposer. Et puis seulement, on débarrasse ceci. Et nous, avec l'aide de mon beau-frère et frère et ami, on va vous montrer comment nous aussi, on sait recevoir chez nous. Déjà, merci. Allez, dans vos temps.
convoitée. C'est la seule fille qui me fait rêver, qui me donne le sourire même quand je suis énervée. Je ne pourrai jamais la laisser tomber. C'est la titulaire, les autres là c'est le plan B. C'est la plus belle fille du quartier. Tout le monde cherche à la convoiter. Thank you.
I'm gonna
aussi bien. Pendant que nous sommes en train de savourer les mets préparés par nos mamans, voilà pourquoi, pendant que nous sommes en train de savourer.